Bonjour Julia. Des infos, qu'est-ce que c'est l'histoire là ? Alors c'est la Fondation Abbé Pierre qui appelle les internautes à dénoncer les équipements urbains dont le seul but est de dissuader les personnes sans abri de s'installer. Alors l'idée en fait, ça va être d'installer des bancs très inconfortables, des picots, des rochers, même des douches anti-SDF. Le but là évidemment de cette campagne, c'est de dénoncer ces installations dans le mobilier urbain et d'inviter vraiment les internautes à réagir. Alors ça donne plein de choses très différentes sur Internet. Vous voyez des barres pour empêcher les gens de s'allonger, de s'installer. Beaucoup de choses qu'on peut voir sur Internet. Regardez cette vidéo. En 2017, ça existe. On n'a toujours pas changé la mentalité. En 2017, c'est de plus en plus présent. C'est-à-dire que là, si la Fondation Abbé Pierre alerte les gens, c'est parce qu'on vient d'installer des douches anti-SDF rue de Rivoli, mais qu'on en installe de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que c'est en 2017 que ça devient de plus en plus courant. Et c'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Parce qu'on disait, mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Il y a même des plantes défensives avec des grands picots, justement, pour éviter qu'il y ait des passages. Alors là, allez-y, contre ces plantes-là, on a les produits. Il faut les appeler. Merci, Julia.